I believe I can fly. On est bien clair aujourd'hui. Bon, ça changera un petit peu. On est mercredi 11 septembre. Nouveau vlog. Il est 12h20 déjà. Je suis partie à 8h30. Je viens de rentrer. Ah zut, j'ai oublié d'éteindre mon application de marche. Je l'ai mis en partant. J'ai oublié. Bah c'est pas grave. On va regarder ensemble. Hein. Regardez, j'ai mis la nouvelle veste que Nature m'avait offerte. Elle me va trop bien, elle est trop belle. Je suis bien dedans. Encore merci à toi. Alors, comment on fait? Ah si, je sais comment on fait, mais là, je suis fatiguée. Alors. Je ne l'ai pas enregistré. Oups. Bon, je regarderai après, sinon je vous le dirai. Attendez, je regarderai après, j'y arriverai pas là. Donc, j'avais rendez-vous à l'ADIL ce matin. Donc c'est l'ADIL, Association Départementale Logement. Enfin bref, je sais pas. Donc je suis partie à 8h30, je me suis garée au stade, j'ai été jusqu'au centre-ville. Je suis passée à la banque, c'est collé, la dîle et la banque sont collées. Alors, hein, voilà. Il m'avait dit, un rendez-vous, ça dure 1h30. Mais je ne le croyais pas, quoi. Parce que, bon, je me suis dit, tant que j'explique, ça va durer 10 minutes. Ça a bien duré 1h30, de 9h30 à 11h. Alors, déjà que j'ai du mal à me concentrer, j'ai eu du mal. Donc, en fait, c'est un organisme qui donne des conseils. Eux, ils ne peuvent pas agir en soi. C'est juste pour des conseils, mais c'est toujours intéressant à prendre. Déjà, il y a la mairie qui fait des démarches avec l'apport du Hainaut. Et la DIL, ils vont se mettre en contact, en fait, parce que j'ai compris un quart de ce qu'il m'a dit. Bah ouais, hein, c'est des... Avec article, machin, du code, machin, je n'ai rien compris, mais c'est pas grave. Il m'a donné des petits papiers et il m'a dit de demander à la dame qui s'occupe de moi au CCAS de le contacter. Voilà. Et quand j'aurai certains autres papiers, il faudra que je reprenne rendez-vous avec lui. Voilà. Tout ce que je peux prendre, je le prends. Hein, parce que là, voilà quoi. Bon. Donc je suis sortie de là-bas à 11h. Et il voulait continuer, mais en fait, il y avait un autre rendez-vous après. J'en pouvais plus. Il y avait le marché. Donc je voulais aller me chercher une petite portion de pommes de terre. Il y avait plein de monde. Il y avait la queue. J'ai dit non, c'est bon, tant pis, pas de pommes de terre, je mangerai autre chose. Je suis repassée à Lidl. Parce que j'avais vu sur le prospectus. Alors ça, c'est celui de la semaine prochaine, semaine italienne. Mais je vous laisserai aller regarder sur la chaîne de Céline, elle va bientôt faire le prospectus. Alors, là, c'était deux offres qui étaient dans le nouveau prospectus. Donc celui qui commence aujourd'hui. Alors, les fameux croque-monsieur qu'on aime bien, ça valait le coup. C'était en format par 4. À 3,75. Sachant que quand on les prend 2 par 2, ça fait 5 euros, je crois. Donc, pour dimanche, ça sera nickel. Ensuite, pareil, dans le catalogue, il y avait ça. Donc, j'ai pris pour les enfants. Voilà, des... Cookies Jungle au chocolat au lait. Il y a 6 sachets de 2 biscuits. Donc ça leur fera 2 fois chacun. À 1,49€. Et ça non. Pour terminer, j'ai repris un boursin. Voilà, comme ça. À 85 centimes. Voilà, c'est tout pour Lidl. Il me fallait... une autre chose, mais en fait, c'est à partir de demain. Bah, c'est pas grave, j'y retournerai demain. Et quand j'attendais mon tour à la DIL, j'ai vu qu'il y avait un panier à Too Good To Go à Carrefour.
J'ai jamais fait à Carrefour. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Voilà. Pareil, c'est un panier à 3,99. Voilà. Et ils disent que vous pouvez avoir un peu de tout dedans, mais surtout du frais. Donc j'ai galéré parce que c'était au drive. Il a fallu que je fasse tout le tour à pied, parce que moi je m'étais garée comme je pensais que c'était dans le magasin. Et j'ai eu mon panier à 3,99. Il est fermé. Il n'est pas ouvert encore à la rentrée. Donc on va le découvrir ensemble. On verra. Ça vaut le coup. C'est rare que j'arrive à en trouver un sur Carrefour. Ou alors c'est en boucherie, mais moi ça sert à rien que j'ai trop de viande, je pourrais pas la conserver. Donc là c'est comme un mix, quoi. Bon, j'arrache tout. En plus c'est bien parce que vous avez toute la journée pour aller le chercher de 9h30 à 18h. Donc vu que je savais pas trop à quelle heure j'allais revenir, bah, je me suis dit à 18h je serais rentrée, hein, quand même. Donc alors, qu'est-ce qu'on a eu? Il y est bien agrafé. Dis donc. Alors, je vais les sortir et puis on va regarder ensemble. Désolée, ça fait du bruit. Désolée. Voilà. Donc, j'ai eu de la Macédoine Bonduel. 320 grammes. Alors la date. Jusqu'au 11. On est le 11? Ouais, on est le 11. Jusqu'au 11, mais bon, à mon avis, ça tient jusque ce week-end. Il n'y a pas de souci, hein, au frigo. Ça devrait aller. Ensuite, j'ai eu une salade. Ça m'a l'air pas mal, ça. Mix buffet. Salade et penne façon italienne. Jambon sec et mozzarella. Sauce au vinaigre balsamique, fourchette incluse. Voilà. Bon, jusque aujourd'hui. Bah écoutez, ce midi ou ce soir. Peut-être plus ce soir. J'ai eu. C'est quoi? Ils mettent les trucs au-dessus. Crevettes décortiquées cuites. Bon. Moi, j'en mange pas. Mais c'est un tout petit machin. Et ma voisine, en ce moment, elle est pas au top. Donc, je vais pas aller l'embêter. Mais Mia aime bien. Donc. Je cherche la date. DLC 13-9. Dans 2 jours. On sera vendredi. Bah écoutez, soit je la mets au frigo, soit je le congèle. Est-ce qu'on peut congeler ça comme ça? Des crevettes décortiquées cuites. Vous me direz. Voilà. De toute façon, il me reste 2 jours et. Et Miel revient dans 2 jours. Vous me direz. Je suis perdue. Ensuite, j'ai eu un wrap. Un wrap aux chèvres. Saut des beaux. ça fait plaisir. Galette de blé garnie de fromage frais, de fèves de soja, de carottes de concombre, de fromage de chèvre et de tomates marinées mi-séchées. Bah écoutez, j'ai mes repas pour aujourd'hui. Date aujourd'hui, ce midi je vais en manger un. Et ce soir je vais en manger un avec la petite salade. Voilà. Et pour terminer, bah super, j'ai eu des compotes. Les enfants aiment bien. En bio, Carrefour bio. Pomme poire. Voilà. Alors la date, 14. Et bah, parfait pour ce week-end. Voilà. Donc j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 articles pour 3,99. Ça passe. Voilà. Bon, maintenant que je suis rentrée, je vais ranger mes petites courses. Ma pauvre Juju, elle n'a pas encore mangé. J'aime pas la laisser longtemps comme ça toute seule. Elle s'en fiche, elle fait que dormir. J'aime pas, ça fait long là quand même. Hein. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, quasiment 4h. Là, j'ai sorti ses pâtes et tout du frigo. Je vais attendre un petit peu parce que là, ça va être froid. Et dans 10 minutes, je vais lui donner à manger. Voilà. Et après, ben. Ah oui, il faut que je lui refasse des pâtes aussi cet après-midi parce que là, je vais lui donner le reste. Et elle en a plus. Bon, moi je vous laisse et je vous dis à tout ou à demain. Gros bisous. Heureux.
On est toujours mercredi. Il est 13h51. Vous le croyez, vous? Mon micro-ordi est mort. Ouais. Toujours quelque chose ici. Puis j'habite ici, le micro-ondes, c'est au moins le quatrième. Les plaques de cuisson, je ne les compte plus. Bon, le four, on me l'a donné, hein, il va pas très bien, mais il va. Friteuse, bon, je crois que c'est la deuxième ou troisième. Après, mon grill, alors là, ça c'est moi, à chaque fois je le fais tomber. Voilà. Mais là, c'est le micro-ondes. Puis c'est quand même utile, un micro-ondes, hein, me direz-vous. Alors, puis c'est pas de ma faute, non, mais je vous explique. Hier soir, j'ai fait chauffer mon poisson au micro-ondes. Donc, je vous avais montré dans le précédent vlog le poisson en sauce là, que j'ai acheté chez Carrefour. Donc, j'ai fait comme ils ont dit sur la notice, sans décongélation préalable, vous faites des trous dans le sachet, vous mettez X minutes au micro-ondes. Et au bout de quelques minutes, ça a commencé à faire des bruits bizarres, à gicler de partout. Voilà. Donc je l'ai éteint, j'ai attendu, j'ai essayé de le remettre, et mon micro-ondes a commencé à faire des trucs bizarres, un bruit bizarre, une couleur bizarre. On aurait dit qu'il y avait de l'orage dedans. Donc j'ai tout arrêté. J'ai mangé à moitié froid. Et je me suis dit, on verra demain. Moi le soir, je suis trop fatiguée. Donc là, tout à l'heure, quand je suis rentrée, bon, j'ai fait manger Julie avant, quand même, hein, ma Juju. Et je l'ai nettoyé. J'ai bien nettoyé l'intérieur et tout. J'ai laissé sécher. Et là, je viens d'essayer de le remettre en route. Et pareil, au bout de quelques secondes, ça faisait comme de l'orage à l'intérieur. J'ai dit, je n'y touche plus, c'est fini, il est mort. J'ai pas envie de faire tout exploser, tout prendre feu, c'est bon, j'en ai bien assez. Voilà. Donc, bah, j'ai plus de micro-ondes. Voilà. Donc, j'ai appelé mon père. Mais bon, mon père, il va pas encore payer pour moi, hein, c'est pas possible. Hein. Donc, je vais me débrouiller, hein. Je vais me racheter un micro-ondes. Voilà. Par contre, lui, il veut bien me rendre service. Il m'a dit, bah écoute, je vais regarder sur le site Carrefour, Auchan, Electrodépôt, voir où c'est le moins cher. Il me dit, je pourrais aller te le chercher, il n'y a pas de souci. Mais il faudra me rembourser tout de suite, quoi. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème, de toute façon, voilà. Je vous jure, hein, c'est pas possible. Hein. Alors, est-ce que c'est ce fichu poisson? Pourtant, j'ai lu comme c'est écrit sur la notice. Voilà. Ouais, j'ai besoin, quand je suis comme ça, j'ai besoin de partager avec vous mon désarroi. J'ai même pas mangé. Je vous dis, à chaque fois, je me fixe 14h maxi. 13h53, j'ai des doutes que je mange à 14h. J'ai même des doutes que je mange. Voilà. Sinon, je vous ai pas parlé du temps ce matin. Il fait bon. Ah bon, ouais, il fait bon. Un petit peu de bleu, comme dimanche, vous voyez? Mais alors, vu qu'il y a de l'humidité et du vent, c'est glacial. Ce matin, là, quand j'ai marché pour aller pour revenir de Valenciennes, j'avais très froid. Voilà. Bon, bah voilà, c'était surtout pour ça. Je me change les idées. Je suis en train de regarder la. Il y a en charge. La dernière petite vidéo de Véro et Mamie. Voilà, ça va me remonter le moral là, si vous passez par là. Gros bisous à vous. Bon, je vous laisse cette fois-ci, puis bah, je vous tiens au courant. De toute façon, ça sera demain parce que mon père, aujourd'hui, il n'a pas le temps. Voilà. Allez. Coucou. Fait sombre. Bon. On est jeudi 12, 9h52. Je suis pas bien. Je suis fort angoissée là. Il fait super frais dehors. Même en veste, là, je suis à deux doigts de ressortir les pulls et le manteau. Ouais, c'est l'humidité, il fait frais, j'ai froid. Voilà. Cette nuit, j'ai attrapé une migraine. Bah, hier, j'étais pas bien avec. Bah, je suis partie toute la matinée. Hein, pour moi, c'est compliqué. Mon micro-ondes, entre autres, je suis. Ça va pas. Hier, j'avais rappelé là-bas la personne du CCAS pour lui dire que j'avais eu mon rendez-vous à la DIL, mais elle n'était pas là. Elle vient de me rappeler. Elle m'a dit, je vous tiens au courant. Hein. Je dis, je suis angoissée, je veux partir d'ici, quoi. Trouvez-moi un logement. Voilà, je peux plus. Je ne peux plus.
L'automne arrive, ça va être une sacrée période, hein, je vous l'ai dit, mais ça va être compliqué. Enfin, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas envie. Va falloir, hein, je peux pas rester comme ça, là, comme une loque toute la journée à m'angoisser. Ouais. Bon, ce matin, je suis passée à Carrefour, regarder pour les micro-ondes, du coup. Mais ceux à 50 euros, eh ben, il n'y en avait plus. Il y avait à 60 euros. Mais du coup, mon père, cet après-midi, va aller voir à Electro-Dépôt. Si il y a moyen de trouver, quoi. Puis s'il trouve, eh ben, demain matin, j'irai chercher les sous et puis je rembourserai. Voilà. Puis je suis repassée au petit Leclerc, là. Non, pas de Too Good To Go. J'en ai pas besoin et j'ai pas envie. Pareil, il manquait plein de choses. Je voulais du lait, il n'y en avait pas. Entre autres. Bon, bref, j'ai pris que deux choses en fait. La mayo, il y en avait et j'en ai presque plus. Donc j'ai pris deux pots, hein, bien évidemment. Hein. Ma mayo, c'est mon. Ça me fait du bien. Voilà. 1,35 le pot. Et j'ai pris de la viande hachée. C'est pas ce que j'avais prévu pour ce week-end. Mais voilà, il y en avait de la Eco Plus, 500 grammes à 4,99. Donc, je l'ai prise. Voilà. Et c'est tout. C'est tout pour les petites courses. Et c'est bien suffisant. Enfin, demain, il faut que je refasse. Demain, il faut que je repasse à Carrefour et à Lidl. Voilà. Bon, bah écoutez. Je vais vous laisser. Je vais essayer de faire ce que j'ai à faire. Et des gros bisous. Et à toutes ou à demain. Coucou, on est vendredi 13. Paraît que ça porte bonheur. Septembre, il est 10h29. Alors, on va commencer par le micro-ondes. Donc hier, maintenant il va falloir que je cale ce carton quelque part. Je l'ai plié, mais bon, attendez. Donc hier, mon père, il est allé voir quand même à Electro-Dépôt et à Auchan. Il y en avait à 50 euros. Mais il m'a dit, je préfère te prendre celui de Carrefour. Il est à 60 au lieu de 80. C'était une promo. Donc il dit, vu qu'à la base il était à 80, bah peut-être qu'il sera plus solide. Voilà. Et il m'a dit, tu me rendras 50, c'est bon pour les 10 euros. Donc il a été me le chercher hier. Voilà. Ça comme ça. Et j'ai pu boire du lait chaud ce matin. Vous me direz, je peux le faire chauffer dans une casserole. Hein, mais bon, quand on a l'habitude comme ça. Donc voilà, c'est un rétro, c'est super joli. Bon, moi, vu mon intérieur, hein, voilà, si j'avais un meilleur logement, je le mettrais pour que tout le monde y le voit. Bon, il faudra que je case ce carton, parce que si un jour il ne va plus, faut le carton pour le ramener. Voilà, alors ce matin, je suis allée promener Julie, comme d'habitude. Là, il fait bon, hein, il fait bon, rayon de soleil et tout. Mais alors, la nuit et le matin, qu'est-ce qu'il fait froid! Bouh! Regardez, j'ai ressorti les manches longues. J'ai même ressorti les petites mitaines. Ah ouais, c'est désagréable, la nuit et le matin tôt. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Alors, tout d'abord, je suis passée à Lidl. J'ai pris que deux choses, hein. Un petit truc qui me manque pour le week-end, quoi, tout simplement. Donc, j'ai juste pris des tomates grappes. Voilà, une grappe, il y en a 5. C'est 1,99 le kilo, j'en ai eu pour 1,32. Hop, et la salade, je les prends toujours là-bas en fait. Cœur de laitue à 99 centimes. Donc Lidl, c'est tout. Après, je suis repassée à Carrefour. Alors d'abord, pour aller laver les couettes des enfants, du coup. Kenzo, il m'avait dit non, pas tout de suite, mais là, ces derniers jours, vu comment il fait super froid. La nuit, hein, puis ici avec l'humidité et tout, je vous dis pas. Donc j'ai été leur laver leurs couettes. Ils ont baissé. C'était 8 euros la grosse machine. Et maintenant c'est 7. Youpi. Donc 35 minutes. Pendant ce temps-là, bah, j'ai été faire mes petites courses. Ouais, j'ai traîné un petit peu. J'ai pas pris grand-chose. Je vous montre comme ça. Deux baguettes à 49 centimes pièce. Et j'ai repris des frites. Attendez. Donc, comme d'habitude, les McCain
Tradition, 1,08 kg à 2,79 €. C'est tout. Après, j'ai mis les couettes à sécher. C'est 2 € les 15 minutes. Vous le mettez au plus fort, c'est nickel. Hein. Ça sèche bien, pas besoin de le mettre X fois. Voilà. Mais en attendant, j'ai traîné un petit peu dans la galerie, hein, ce que je fais jamais, à vrai dire. Bon, non. J'étais faire un petit tour à Nocibé. Donc j'en ai profité pour demander un petit échantillon du parfum Kenzo pour homme. Ce parfum, je suis envoûtée par ce parfum, en fait. Depuis toujours, hein. Quand j'étais toute jeune, j'avais un petit copain qui en mettait et ça sentait déjà trop bon. Je vous parle de ça, j'avais 16, 17 ans, quoi. Bon. Et depuis, je suis fascinée par ce parfum. L'ancien, il m'a dit qu'il en a fait un nouveau il y a environ 2 ans, mais non, là, c'est l'ancien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon fils Kenzo. Et j'ai toujours dit, et je le ferai, que pour ses 18 ans, je lui offrirai le parfum. Voilà. Donc j'ai pris un petit échantillon, en fait, c'est pour lui faire sentir à mon zozo. Et moi aussi le sentir de temps en temps. C'est gratuit. Ah, voilà. Et puis bon, hein, moi je suis pas très vendredi 13, mais bon, vu qu'il y avait le marchand de jeux, je me suis pris un petit jeu. Hein. Bon, on verra bien. Hein. J'ai pris ça. Moi j'y connais rien, vous savez. Chance en or. C'est un jeu à 2 €. Vous voulez qu'on le gratte ensemble? J'ai un petit peu de temps. Un petit peu. Hein. Donc alors, il y a 4 jeux. Tant qu'à faire. Hein. Si vous découvrez un symbole machin, vous remportez le truc. Alors, est-ce qu'il va y avoir un machin? Non, une étoile, un chapeau et un jeton. Donc, je n'ai pas gagné 5 €. Si l'addition des 3 dés est égale à 13, vous remportez le gain. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh! Ah ouais! Regardez! Vous ne verrez pas. Les 3 dés sont égales à 13. Combien j'ai gagné? 2 €. Ah, allez, on regarde. 5 €! Oh, cool! Je joue jamais. Et les rares fois où je joue, je gagne jamais. Gagner 5 €. J'ai payé 2. Bon, vu tous les frais que j'ai eu ces derniers temps. Alors, le jeu numéro 3. Si vous découvrez 2 montants identiques à celui de la case gain, vous remportez le gain. Alors, la case gain, elle est 2 €. Et les petits machins, 5 €, 2 € et 1 000 €. Non. 1 000, je veux bien. Et le dernier, si vous découvrez 2 symboles identiques, vous remportez le gain. Alors, pièce, couronne et fer. Non, j'ai pas gagné non plus 20 000 €. C'est dommage. Hein. Mais j'ai gagné 5 €. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Hein. Et moi, j'en rachète pas. Hein, quand c'est comme ça, je reprends les sous. Hein. Même 2 €, je les reprends. Bon, voilà, ensuite, donc, mes couettes étaient enfin sèches, je suis repassée à Leclerc, j'avais fait un mini drive, mini, tant qu'à faire, pour acheter, vu qu'il n'y en avait pas au magasin, un pack de lait comme ça, voilà, 6 briques d'un litre, ah oui, les prix, oh, j'avais sur l'application. Alors, bon, en attendant, ouais, donc le 6 briques de lait, j'ai repris des linguines, marque repère par 500 grammes. Pour que ça charge. Sinon, j'espère que vous allez bien. De toute façon, je vais le clôturer ici, le vlog. J'ai beaucoup de choses à faire après. Alors, allons-y. Le pack de lait, 4,98 €. Les linguines, 93 centimes. Et c'est surtout pour ça... Parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Enfin, pas souvent, je veux dire. Et elles sont super bonnes en surgelées. Les pommes rustiques, marque repère. Vous avez 750 grammes. Hein. Moi, je les fais, ils disent à la poêle. Ou moi, je les fais à la friteuse. Comme des frites. Au four à la poêle, mais moi, je les fais à la friteuse. J'en ai pris 2 paquets. Mais je referme le sac isotherme à 2,14 € le paquet. Mais c'est vrai que c'est rare qu'il y en a. Donc là, bon. J'en ai pris 2. J'ai plus de place dans mon congélateur, mais bon, je vais essayer d'en faire, hein, pas le choix.
Donc voilà, 10 h. Ensuite, je pensais passer à la banque avant, mais j'ai pas eu le temps avec mes couettes. Donc j'y suis passée après. De toute façon, tout est dans le même périmètre. J'ai été tirer les 50 euros pour mon père. Et je voulais aller à la banque dedans parce que j'avais quelque chose à faire. Mais c'était exceptionnellement fermé. Pas de bol. Bon, c'est pas grave, c'est pas très loin. J'y retournerai dans la semaine prochaine. Voilà, donc là, je vais ranger mes petites courses. Je vais faire manger Julie et Luigi. J'ai pas mal de choses à faire. Faudrait que je reaère un petit peu les paniers. Faudrait que je prépare à manger pour ce soir. Mais ça, vous le verrez dans le prochain vlog. Enfin, entre autres. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser pour ce petit vlog de 3 jours. Ouais. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Je vais vous la publier aujourd'hui. Donc je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis moi, je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau vlog. Gros bisous.